Eh bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les amis qui va être trop bien avec Darko, avec Alaya. Comment vous allez? Ça va très bien, je suis très en forme. Moi je suis très fatigué mais je suis très content. 18 ans. Non. Ah. Alors devine vraiment. 23. Oh je l'ai dit juste avant. Oh, je l'ai juste avant, quel acteur. Alors justement, aujourd'hui vous avez vu dans le titre, on va deviner l'âge de 50 personnes, de 50 inconnus. La particularité en fait c'est que les 50 personnes sont derrière là, en fait elles sont tous ensemble dans la même pièce. Et du coup ça va de 9 à 75 ans. Donc il y a quasiment une personne par âge différent à chaque fois. Et le but du coup c'est qu'on les trie dans l'ordre croissant de l'âge en fait. Et on verra combien on fait d'erreurs à la fin. Moi personnellement, comme je le fais de temps en temps sur ma chaîne, mais en photo, j'ai une petite expérience. Voilà, donc je vais être un bon élément dans l'équipe. Toi Laïa, t'es forte pour deviner les âges? Moi je fais du mentalisme en soirée, avec près de 2-3 verres ça va. Mais t'as pas 2-3 verres là, c'est midi hein. Ouais bah ça ira pas alors. Et bah écoutez, c'est derrière cette porte là-bas, donc on va ouvrir la porte et découvrir les 50 personnes, ça va être trop bien. C'est parti, let's go. Oh, il y a beaucoup de gens. Oh, il y a beaucoup de gens. Bonjour à tous. Vous avez quel âge? Alors la strat, c'est évidemment trier du plus jeune au plus vieux. Donc je pense on passe devant chaque personne, on estime à peu près l'âge. Et je pense que là, comme c'est rangé en trois lignes, on peut se dire première ligne, c'est vraiment les plus jeunes. Deuxième ligne, c'est les moins jeunes. Et dernière ligne, désolé pour ceux qui seront, mais c'est... par déduction, du coup, il manque. Donc on va mettre en première ligne les plus jeunes. Voilà. Putain, c'est vrai que c'est trop dur. Est-ce qu'on n'irait pas récupérer déjà les tout petits? Mais oui, on prend tous les enfants, on les met devant, tu vois. Là, on est sûr que c'est vraiment très jeune. On va dire moins de 25 ans, ok? Bah attends, mais là, il y en a. Attends. Ah, j'avais pas vu. T'es plus grande que moi. Attends. Tu vois pas ce qu'il y a plus grand que toi, toi. C'est vrai, ouais. Ouais, non, moi je fais la taille. Ok, alors, bah, elle, on la laisse du coup ici. Je te vois, toi. Viens avec nous, viens avec nous. On te recrute toi, là. Déjà, tu vas être en première ligne. Okay. Oui, regarde par là, regarde. On a des petits trous mimi derrière. En très très jeune, je pense que c'est bon. Maintenant, faut qu'on trie dans les plus jeunes, du coup. Alors, venez, celle qu'on a appelée. En vrai, à cet âge-là, a priori, c'est surtout genre la taille, ça joue pas mal, j'imagine. Si ça vous dérange pas d'aller juste dans la ligne de derrière. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Qui serait la plus jeune, du coup? J'ai envie de dire elle. Bah, j'hésite, moi, entre les deux. Tu t'appelles comment, excuse-moi? Louison, ok. Et alors, peut-être ça peut être Louison la plus jeune. Et toi, tu t'appelles comment? Ah, okay. T'as un métier déjà ou t'es encore... Moi, je dirais quand même Louison. J'aurais dit que Kayla était plus jeune, moi. Ouais, moi aussi, j'ai envie d'y croire. Alors, 2-1, je vous laisse prendre la décision. Non, ça va être ma faute. Ouais, j'avoue. J'aime pas quand on me dit ça, mec, ça me stresse, ça. Kayla, est-ce que tu peux venir en, a priori, la toute première? Après, on peut rechanger. Non, impossible, c'est fini. Si, on peut changer après, si jamais on veut. Ok, ensuite. Oh, quelle apparition? Quelle apparition? Qu'est-ce qui se passe? Tu as 10 ans? Je viens pas participer, viens parler de la D'accord. Donc on peut le voir, elle a qu'une oreille, elle est née avec une micro-cille, donc elle est née sans conduit auditif. On a créé une association pour qu'elle puisse se faire opérer en Amérique, puisque ça existe qu'en Amérique. Ils peuvent lui reconstruire l'oreille et le conduit auditif. Ce serait super cool pour elle, parce que là pour l'instant elle est malentendante. Ça coûte 85 000 euros, donc on fait un appel aux dons partout où on va pour récolter des sous. Bah on peut mettre un lien en description, ouais, un truc comme ça. Bah en description on met vraiment le lien, n'hésitez pas si vous voulez aider ou quoi, c'est vraiment un grand plaisir. Et bah écoute, merci à toi d'avoir passé le mot en tout cas. Et bravo Louison, t'es la boss. Du coup, toi, tu joues pas? Non. 26 ans. Moi, j'ai 24. 25. 20. Ah. Oh, on est nuls. Bah, on vous laisse entre vous, nous. Comment on peut être aussi nuls? Ensuite, donc là, dans les trois qui restent, et ben moi, j'aurais dit... Tu t'appelles comment? J'aurais dit Alissa, ensuite... Ah, c'est trop dur. Je pense qu'elles sont dans le bon ordre. Pour l'instant, je pense que c'est un bon ordre. Est-ce qu'on peut pas leur demander les trois de dire leur prénom? Comme ça, on a aussi la maturité de la voix. Oh, quel argument. Ah ouais, non, mais c'est bon, non, mais c'est pas mal. Vas-y, redis ton prénom. Ah, c'est la même voix. Vous connaissez les conjonctions de coordination? Oh! Ouais, je pense que c'est le bon ordre. Ok, bon, pour l'instant c'est pas mal. On a deux ados aussi. Comment tu t'appelles? Cassandre. Cassandre, peut-être en 6. Bah, imaginons 9, 10, 11, 12, 13. Ah si, 14, mais c'est possible de ouf. Et attends, toi tu t'appelles comment? Camille. Camille, elle a eu de l'assurance. Avec... Camille est plus âgée, toi tu vas ici Camille. J'aurais dit Cassandre en vrai après. Non, moi j'aurais dit plutôt Lucie en Cassandre. Je pense aussi. Ça change rien, je vois toujours. Dire que Lucie a 14 ans. Ah oui, moi j'aurais dit plutôt Cassandre qui a 14 ans. Toi t'es d'accord avec moi là? Oui. Bon bah je suis une victime, je me fais. Je suis d'accord avec vous, ok, très bien, on valide. Ça fait pas un peu aspect militaire là? On dirait qu'on les inspecte. Alors là ça devient plus dur. Là ça commence à parler Parcoursup quoi. Bah peut-être que toi tu peux nous rejoindre. Ah bah oui, j'ai pas vu. J'en ai vu un. Tu connais le truc très daron, tu connais pas le prénom de la personne, du coup tu l'appelles par le truc sur le t-shirt. Alors Teddy Smith, t'as quel âge? Moi j'ai l'impression qu'il bouleverse le classement là. Oui, mais oui, de ouf. Tu t'appelles comment? Fortnite, c'est cool. Ça se passe bien? Pas trop dur le brevet? Mais est-ce que Cassandre elle est plus jeune ou pas? Non, je pense. Moi cet ordre il me plaît en tout cas. Donc là pour l'instant on valide. Là on arrive du coup a priori vers les 18-19 ans, ouais. Un peu adolescence tu vois. Qui mange des pâtes plus de 5 fois par semaine là? Moi je pense qu'elle est en première. Je suis très premier degré, attention, la poulie de vanne. Ouais, il n'y a jamais eu. Moi je pense qu'on est bon en vrai. Tu les échangerais pas? Attends, mais ça veut dire que là ils ont 19-20 ans. 17-18. Moi je pense qu'il vient de passer le bac là. Ah ouais. Non, tu crois? Moi je pense que c'est première. C'était dur hein, la philo. Hein.
Est-ce qu'il bluffe? Est-ce qu'il bluffe ou pas? Ouais, j'avoue, en fait, on devrait les échanger à mon avis encore. Bah, je sais pas, je le sens plus jeune moi. Je pense que c'est Camille qui est en train de. Qui a passé le bac cette année. Je pense aussi, ouais. Tu sais, dans son regard, elle a le truc de la jeune adulte, tu vois. Les cours de français avec Madame Pichon, c'est bien passé? Okay. T'as bien fêté ça? Très bien. Bon, bah, on la croit. Lui, c'est pas seconde année d'école sup. Lui, on sent qu'il est en soirée étudiant, tout ça. Évidemment. Non, je pense qu'on est bon. Eh ben, merci à tous d'être venus. Lucas, je crois que t'avais raison. Peut-être que Louison, c'était la plus jeune. Parce que j'ai pris du recul sur la situation. Sur la vie en général, hein. Ok. Vous avez 25 ans? Vous êtes tombé pile. Bon, bah, venez à côté de l'étudiant. Lui, il peut totalement être dans la vingtaine. Si, 27. 27, ouais, mais attends, on n'est pas encore au 27. Est-ce qu'on irait pas voir déjà si un peu derrière? Parce que là, peut-être on aura. Ouais, pour aller se balader un petit coup. T'as pas trop envie de marcher comme ça en vrai? Les mains dans le dos là? Mais ouais, j'adore. La jeune fille en marron, vous trouvez pas qu'elle irait au premier rang? Oui, c'est vrai que. Ouais. Ah, tu te cachais toi en fait. Tu t'appelles comment? Moi je pense que Lisa c'est un premier rang. C'est hyper bizarre de marcher comme ça, putain les gars, je suis désolée pour le moment. Attendez, les amis, attendez. Oui, est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un en premier rang là? Même peut-être deux, hein. Peut-être trois même. Ah ouais. J'allais dire désolé, c'est du deuxième rang, désolé. Parce que là en théorie on s'est arrêté à 20, 21, 22 ans là-bas. On s'est arrêté à 20, ouais. Tu t'appelles comment, Sima? Kenza. Et toi tu t'appelles comment? Gabriel. T'aimais bien les Black Eyed Peas à l'époque? Sheriff Aluna, il avait les mots. Toi tu t'appelles comment? Brice. Non mais Brice, excusez-moi, c'est l'approche de la trentaine, hein. Je pense Brice, désolé hein, si c'est pas ça, mais moi j'ai envie de dire Kenza premier rang, j'ai envie de la faire glow up. Kenza, si tu peux me suivre. Ok, commissaire Darko, ça marche. Oh, là c'est trop dur. Même qu'ici il se passe quelque chose. Hein. Attends, c'est-à-dire entre eux? Je pense que Gabriel elle est premier rang, mais que je pense que Lisa aussi elle est premier rang. Ah mais tiens, Lisa tu peux venir s'il te plaît? Parce que là je pense que ça va se jouer. Attends, je pensais qu'il a quel âge? 32. Tu t'appelles comment? Kevin. Kevin, ça va tutoyer les 35. Ouais, il est dans la trentaine. J'aime bien cette expression. Ah attends, et là-bas que le pull Berlin là. Ça c'est 24. Tu t'appelles comment? Valentin, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Il y a une grosse voix, Valentin. Tu peux parler, Valentin? Bonjour. Tu peux me parler plus? Tu fais quoi dans la vie? Là, je suis travailleur en service technique. Ok. Tu peux me dire plus proche de l'oreille s'il te plaît? C'est incroyable. Attends, mais what the fuck? Moi, je vais te dire un truc, je pense que ça fait Gabriel, Lisa, Valentin. Ah non, Valentin est plus jeune. Il travaille dans le service civique. Et alors? Bah, je sais pas. Merci Darko, c'était un plaisir en tout cas. Non, je pense, Radé, on met Valentin ici. Mais il faut qu'on finisse le premier rang. Bien, venez, venez. T'as venu avec nous. Et il y a une fille avec une robe bleue. Non. Oh, désolé, c'est plus ma vidéo. J'ai plus rien à voir là-dedans. Non, j'ai pas dit non, non, j'ai dit non. Elle est où la fille avec la robe bleue? C'est ça plutôt. C'était grave violent. Ok, je veux bien. Oui, si. Tu t'appelles comment? Tu viens avec nous aussi, Gorine, s'il te plaît. Voilà, là on a notre fin de premier rang, tu vois. Tu t'appelles comment? C'est de la fin de vingtaine, je pense. Ouais, moi j'aurais dit 30. Je me rends pas compte de ce que je dis. Ouais, c'est hyper vexant, t'imagines, tu dis à quelqu'un, toi t'es dans la trentaine, elle a 24 ans, genre. On revient au premier rang. J'aime bien ce concept, il est rigolo. Et bah, juste après Kenza, logiquement. Bah, moi je te jure, j'aurais dit Valentin. Allez, Valentin. Tu peux reparler, s'il te plaît, s'il te plaît. N'importe quoi, ton plat préféré, c'est quoi? Wow. Alors après Valentin, on mettrait qui? Moi je mets Gabriel. Moi Gabriel, il fait très jeune hein, pour moi. Gabriel, je suis en fait. Il est bien ton appart étudiant? Alors ensuite après Gabriel, peut-être robe bleue. Hein. Ouais. C'est le quatrième participant de la vidéo, tu peux nous aider. Peut-être Gorine. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Ok, et ensuite moi j'aurais dit avec t-shirt multicolore là. Ah non, peut-être pas. N'hésitez pas à jouer en même temps chez vous, n'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche, ça fait plaisir, enfin bref. Oui, Lucas, bien placé. On fait ce qu'on peut. Moi je dirais ensuite Lisa. Attends, mais du coup tu aurais dit que là c'est à quel âge? Là par exemple, c'est à quel âge? Lorine 24 ans, c'est possible. Non, 24 Lisa. Moi je parlais de Lorine, mais. 23. Plus jeune, non? Plus jeune que 23? Ouais, possible. À la place de Valentin. Oh yes, comme ça on le fait reparler. Ouais, let's go. Vas-y, alors du coup vous échangez. Ça va Valentin, t'es content d'avoir changé de place? Avec plaisir, bien sûr, je suis toujours très fier. J'ose plus remettre le micro, j'ose plus parler derrière. Alors okay. Ensuite, je mettrai Lisa. Lisa, 24 ans du coup. Tiens, toi je pense que tu serais ici. Tu t'appelles comment, Siva? Savinien. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a un beau premier rang. On arrive vers les 26-27 ans là. Mais regarde quand même Real Red Kiff. Bah oui. Mais je vous ai pas le dire tout à l'heure. Mais bien sûr, merci. Tu t'appelles comment? Est-ce que tu peux venir ici, Armand, s'il te plaît? Et regarde, pour finir à la guine, je pense. Oui, oui, oui. Regarde si tu peux bien. Ah. Je pense que là, on est bien. Ah ouais, attendez, venez, on refait un tour du premier rang pour l'instant. Ouais. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oh j'aime bien en vrai, c'est pas dégueu, en vrai c'est pas dégueu. Ouais. Je pense que les deux premières on peut les échanger. Mm-hmm. Ouais c'est dur parce qu'il y en a une qui est toute... et l'autre qui est toute calme. Donc ce serait entre 9 et 10 ans, pas trop dur le CM2. On échange. La première ligne du coup qui va de 9 à 27 ans, on va donner des cracks. Donc là on arrive du coup a priori deuxième rang, ça commence fin vingtaine, début trentaine. Est-ce qu'on ferait pas pareil, on invite à nous rejoindre tous ceux qui sont à peu près dans le début? Bah ceux qui ont entre 30 et 40 ans, venez avec nous déjà. Je pense Brice, tu peux venir avec nous, toi aussi. Tu t'appelles comment? Romain. Romain. J'ai envie le monsieur au fond là-bas. Donc venez déjà peut-être vers la gauche. Ouais, là-bas. Avec le t-shirt bleu. Avec le t-shirt John aussi, je pense. Tu peux venir avec nous. Et à côté aussi, du coup.
c'est dur. Moi, je pense Brice et Romain, c'est les plus jeunes. Les débuts. Donc ça, eux, seraient du 28-29 ans, quoi. Plutôt en premier. Bah, peut-être en troisième, non? Tu t'appelles comment? Carlito en troisième et je t'appelle en quatrième. Le Divine, si c'est pas du 34 ans, je connais par cœur ça. Fabien? Fabien, 33 ans. Moi, bon, j'aurais même mis au tout début de la ligne. Mais moi, j'aurais inversé les deux. Ah, sinon, Brad, on fait ça et après, on inverse les deux. 28, 29, 30. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est coup dur de passer à la trentaine ou pas? Je sais pas encore à passer. Oh, il a commencé à répondre premier degré, t'as vu le petit truc qui s'est trahi là? Je suis avant tout mentaliste, mon ami. Échangez les deux, s'il vous plaît. Pas de baston non plus, on reste potes avant tout, hein, désolé. Je pense que le Divine, elle est jeune quand même. Peut-être échangez vous deux. Donc ça veut dire qu'elle a 31 ans, le Divine. Comme moi. Mettez-vous à côté, on va regarder vos visages s'ils ont l'air d'être pareils. Vous êtes frères et sœurs, c'est pas possible, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes jumeaux? Ouais, je pense qu'elle peut avoir 31 ans. Donc là, 32, 33, 34, 35, c'est bon, on a fini? Allez, merci à tous. Merci à tous. Tu t'appelles comment? Megan. Juste ici. Oh. Ah, c'est ta maman. Oh oui, quel indice de ouf. Ah ouais, ouais. Enfin oui et non, c'est tout à rien. Non. Il y a le daron aussi. Il y a un gros indice. Attends, il vient de se passer une dinguerie là. Il y a maman et papa. Ça veut tout à rien dire du coup. Ça veut tout et rien dire, mais ça veut dire peut-être aussi. Et moi j'aurais peut-être échangé les deux. Même. J'aurais mis Ludivine là. J'aurais tout échangé. Ouais, mélangez-vous. Au hasard, c'est bon, je veux plus. Je pense, Mégane, je dirais Mégane, viens ici s'il te plaît. Et après juste vous décaler comme ça à droite. Et du coup maintenant c'est lui ton frère jumeau. N'oublions pas quand même. Attends, reviens devant. Ouais, bah je pense que c'est le prochain. Un bon 34, un bon 35 ans. Ok, là maintenant ça commence à devenir très tendu. Moi je dirais quand même, monsieur. Tu as quel âge? Pardon. Non, en vrai, désolé. Je veux dire ton prénom? Stéphane. Stéphane, c'est... Non, pas 36 ans quand même. C'est pas... La madame avec les lunettes. Vous appelez comment? Pourquoi je commence à vous voyer d'un coup? La troisième ligne, désolé. Mais tu vois, franchement, c'est un bon... indicateur, merci. Ah, 50... Non mais c'est un bon indicateur. Si je tutoie direct, c'est que tu vois... Ouais, c'est vrai. Qui a regardé Les Inconnus? Bah moi. Non, mais moi aussi, on fera gaffe. Hein. Ok, moi je pense qu'on est bon. Inclus dedans? Du coup, Fanny, c'est du 37-38 ans. Bah je pense que, ouais, on est bien. Peut-être que vous êtes pas ensemble. Tu juste charge des couples, il a rebougé. Ouais, c'est trop dur, là, maintenant. Comment je t'appelle? Et toi, comment tu t'appelles? Vous avez fait une belle fête aux 40 ans ou c'était un peu nul? Karine, du coup, Karine 40 ans, ça peut être jouable. Mais là, on n'est pas directement à 40, si. Là, faut du 37. Attends, on va tenter un truc. Nekfeu, c'est lourd, Nekfeu. Elle connaît pas Nekfeu. Elle connaît pas Nekfeu, c'est bon. Moi, je pense, Tatiana, tu peux te placer à côté de Karine. Comment vous appelez, monsieur? Laurent, vous pouvez vous placer à côté. T'as dit le monsieur? J'ai dit comment vous appelez, monsieur? Ah. Monsieur, désolé, ça va décaler. Alors, Laurent, est-ce que tu peux te placer à côté de Tatiana, s'il te plaît? Moi, je dis que quand même, Stéphane, il a peut-être Tatiana. Ouais. Oh, à l'époque, Platini, il a mis des buts. De ouf, hein. Karine, elle est quand même très très heureuse d'être placée là depuis tout à l'heure, hein, je te le dis. Terre brûlée. Et tout le monde se passe. Ah, les jeunes sur leur téléphone, hein. Ah, merde, bon. Premier rang, vous passez premier rang. Je t'appelle comment? Bon, salut Darko, hein. Il est parti faire sa vidéo. Pascal, juste ici. Attends, si on récapitule, donc là ça fait du 30, 40, 41, 42 à peu près. Il est plus jeune quand même. T'as vu, il y a un petit truc dans le regard. Oui, Yannema, je trouve ça pas déconnant que c'est de la fin de trentaine là. Moi j'aurais échangé. C'est ouf parce que tu fais virer la personne de 2 ans quand tu la décales. Hein. C'est un truc de ouf en fait quand tu penses. Là c'est bien. T'as bien qui? Tout le monde? Oui. C'est vrai que vous êtes tous gentils, vous êtes tous très beaux. Alberto et Carole, est-ce que vous pourriez venir vers ici? Là ça commence à regarder les 12 coups de midi tous les midis. Là il y a le débat Nagui ou Jean-Luc Reichmann. Et ben, je pense que c'est du 42-43. Hein. Non. Mais moi je pense qu'ils peuvent échanger. Ouais, échanger. Et si vous pouvez échanger. Et Carole, je pense juste ouais. À... Bon, pour l'instant, je suis plutôt d'accord que ça ferait du 42, 43, 44, 45, 47. Oh, c'est pas déconnant. Oh, il a rigolé sur le 47. Attends, mais les dingueries qu'on a pu dire avant, c'est sûr. On va au troisième rang un peu pour voir. Là, ça commence à être dur, mais attendez, d'ailleurs, je pense que tu arrives bientôt au deuxième rang. Deuxième rang ou début de troisième rang? Fin de deuxième rang, je pense. Ça arrive presque à la catégorie. Il y a les petits enfants qui sont arrivés, tu vois. Non, non, mais ça va pas ou quoi? Non, mais lui, il est d'une délicatesse folle, quoi. Ah, je sais. Est-ce que vous avez un Walkman? Bah, non, mais à l'époque, je veux dire. Karine, si tu peux me permettre, je pense, désolé, alors c'est peut-être une dinguerie ce que je veux dire, 52 ans. Pas du tout, mais ça va pas ou quoi? Mais 52 ans, c'est genre, c'est nos parents en fait. Non, hein. Moi, 46. Karine, je te réduis un peu là, je te fais une promotion, tu passes à 48. TTC, hein. Est-ce qu'on reverrait pas la deuxième ligne pour se dire ok, on est d'accord, et là on arrive vers la sagesse. On s'est dit du 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ouais. 42, 43, 44, oh, mais lui, il est refait.
Lui, on l'a fait. On a refait sa journée. Moi, j'y changerai quand même. C'est-à-dire qu'il passe encore plus jeune. Et bah, 44, 45 à peu près. Alors, mais je vous dis, on a fait l'homme, c'est sûr, c'est pas ça. On passe du coup à troisième ligne. Je pense que là, vous allez aller en début de ligne. Les deux dames, Jérémy. Ah, mais oui, bien sûr. Attends, le monsieur, bien sûr. La première ligne. On a hésité. Hein. Je pense que la madame avec le t-shirt vert doit être quand même vers le devant. Patricia, venez plutôt. Là. Oh, ça peut être cohérent pour l'instant, au début. Le monsieur, même, attention, il peut commencer après la troisième ligne. Ouais. Je pense que c'est plus du 49-50 ans. Vous deux, plutôt devant. Je pense que là, c'est bien. Tu t'appelles comment? Fred, il a pas fêté ses 52 ans la semaine dernière. Fred, est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît? Fred, attendez, là, on va tenter un truc. Fred, tu fais quoi dans la vie? Ce que je peux. Ah, ok. C'est pas mal, hein. Moi aussi, je fais ce que je peux, et malheureusement... Mais attends, ce que je peux, est-ce que ça, c'était une blague ou est-ce que ça veut dire peut-être retraite? Non, je pense pas. Tu t'appelles comment? Moi, je pense que ces deux personnes devraient se rapprocher d'ici. Avec Sylvie. Moi, Fred, j'aurais mis quand même avant encore. Je sais pas, il y a un truc dans le... Non, mais je pense c'est juste que Fred est heureux et du coup, il regarde la jeunesse, peu importe l'âge, tu vois. Non, mais en plus, il a pas du tout, du tout de cheveux gris ni blanc. Pas du tout, du tout de cheveux tout Ah si, là, c'est dur. Parce que là, attends, on peut arriver. On rappelle que l'âge maximum, je crois, c'est 75 ans, la personne la plus âgée ici. Je pense que là, pour l'instant, on est plutôt bon. Donc, c'est-à-dire, là, ça approche à peu près la soixantaine. Et ben là, je pense que ça a dépassé rapidement la soixantaine, mais non. Très peu. Je suis désolé si c'est pas le cas. Non, moi je suis sûr que monsieur il a 55, 54. Bah du coup, mais il est là-bas. Ouais. Il a pas compris le concept d'Arco. Vous sortez en boîte ou pas? Vous regardez mes vidéos ou vous êtes... Non, c'est pas vrai. Je regarde tous les youtubeurs. Ah, c'est bon, ça c'est très daron le youtubeur, mais c'est très bien. Ouais, mais attends, c'est quand même un daron. Bah j'hésite entre 15 et 65 moi. Ok, donc là pour l'instant, moi ça me paraît plutôt cohérent, c'est-à-dire le début de post 60, j'ai envie de dire. Et ben là, franchement, les deux me passent cohérents. Là, je pense, madame, malheureusement, que vous allez devoir décaler un peu plus à droite. Regarde vos vidéos aussi. Hein. C'est vrai? Let's go! Aïe, 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 là c'est trop dur. Là, moi j'ai pas du tout envie de prendre cette responsabilité. J'ai mon avis, je pense que on a madame déjà ici. Monsieur juste après. Monsieur. Madame là. Et man... Oui, 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 oui. Merci oui. Là, Jeannot, merci à tous. En tout cas, très bonne enquête. Viens, on refait s'il te plaît la ligne et on regarde. Remélangez-vous tous là, on va tout refaire. Attends. Vous pensez quoi de TikTok? C'est bien, j'apprécie. Tu regardes souvent TikTok? Peut-être. Ah, peut-être que j'inverserai les deux. Je viens de capter là maintenant, j'ai eu un flash là. On s'arrête là? Ok, donc 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 à peu près. Bon là, c'est plus trop l'âge exact, mais à peu près, je pense que c'est dans le bon ordre. Là, voilà, ça fait à peu près 65, 66, machin et tout. Et la 75, la dernière, je pense. On approche de la fin, a priori, là, du coup. On fait un dernier check, et après, on valide. Et on verra qu'on a fait 58 erreurs, ok. Je pense qu'en vrai, on est pas mal quand même. Bah, je pense qu'on s'est trompé. Je maintiens qu'on s'est trompé sur elle. Moi, j'aurais changé les deux. Ouais, allez-y, échangez. Là, c'est là, je pense qu'on est bon, là. Et ça fume des joints, les Jones. Est-ce que Kenza serait pas. Plus âgé. Oh là, on remet des balles perdues à tout le monde. Une dernière tournée de balles perdues, là. Mais je pense, attention, toujours se fier à la première intuition. Bon, bah, venez, bah, on bouge pas et on bloque alors. Attends, un dernier truc avant. Il est quelle heure, vite fait? Bah, franchement, je lui passe cette montre. Hein. C'est pas grave, t'inquiète. Merci. Il sera voix off de ma vidéo. Oh, tu pourrais faire une voix off, abonnez-vous dans une de mes vidéos, s'il te plaît. Ma prochaine vidéo, on a voix off, abonnez-vous par Valentin. Ok, bon, les amis, finalement, on se fait confiance à nous, notre premier instinct, notre première intuition. C'est souvent la bonne. On va voir combien on a fait d'erreurs et tout. Moi, je pense qu'on a un sans faute, là. Un sans faute, oh, ce serait beau. Est-ce qu'on bloque du coup, Valentin? Officiellement, on bloque. On est obligé, let's go. Alors comment ça se passe là du coup? C'est que nous on va partir 5 minutes et la prod de Maison Grise du coup va mettre un espèce de dossard avec l'âge de tout le monde. On va revenir, on va voir, vous s'est trompé, etc. Bah merci, à tout de suite. Merci à tous, on revient très vite. Hein. Et vous mélangez pas du coup, ça a pris une heure à faire. Bon les amis, du coup, chacun a eu un dossard avec l'âge. A priori ils sont tous retournés pour l'instant donc on voit pas directement et on peut vérifier maintenant. C'est parti le reveal. Oh là là. Oh là là. Oh là là, c'est beau ce qui se passe. On va tous vous faire du coup vous retourner face à nous un par un. Du coup on commence. Du coup c'est Louison. Alors est-ce qu'on a bon? Est-ce que tu peux te retourner? 9 ans, donc c'est bon. 9 ans, c'est bon. On s'arrête là, c'est un sans faute. Ok, pour la deuxième personne, est-ce que c'est du 10 ans? Tu peux te retourner? Oui. On est bon. La troisième personne. Est-ce que tu peux te retourner s'il te plaît? Oui. On est imbattable en fait. Quatrième personne, est-ce que tu peux te retourner? 14 ans. Ah. Attends, peut-être qu'il y avait pas de 11, ah ouais. Entre 11 et 14. Absolument. Ah. Bon, bah, il y avait le. Oui, mais ça va, en vrai, 2 ans. Ensuite, là, c'est sûr, on s'est trompé, les gars. Ah, voilà. Ah non, on avait tort. Non, t'as tort, regarde, ils sont pas dans l'ordre. Ensuite, donc là, c'est monsieur 15 ans, tu peux te retourner avec plaisir. 16 ans. Ah non, je les ai échangés au dernier moment. Ah, tu penses qu'il y a 15 ans du bah coup? Bah ouais, du coup. Vas-y, retourne-toi. Aïe, 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 aïe. C'était sur la relecture. On n'a pas dit la première ligne, c'était la plus simple en plus. Ouais, c'était la plus simple. Oh là-bas, le nombre d'erreurs qu'on a dû faire là. Ensuite, vas-y. Tant, ça va. Bon, on est bon là. Ça reste cohérent, il n'y a pas des grosses dingues. Donc là, on est sur du 18. Hein. Ensuite, voilà, elle vient de passer le bac, on a dit. Elle vient de passer le bac. Le bac de philo, oui. La philo, c'est important. 19, ça c'est sûr, oui. Oui, 19, c'est sûr.
fait. Ouais, yes. Là, ça commence à devenir chaud. Les 20 ans, oh là là, ça fait une, c'est une étape de passer les 20 ans. C'est une étape de passer les 20 ans, let's go. Alors attention, tu peux te retourner. 23. Ah. Ça va, en vrai, ça va. Attends, Valentin, moi je dis que t'es plus jeune, putain. Ben oui. Gabriel, peux-tu te retourner, s'il te plaît? 24 ans, ça va. 25 ans, s'il te plaît, Lisa, j'imagine. 22. C'est l'âge ingrat aussi, hein. 31? Ouais. On a abusé, là. Attends, on l'a mis comme s'il avait 25 ans. On t'a dit 25 ans, ça? Ça t'a fait plaisir. Oh, il a dû être refait. Il est refait. Ah là, bah là ce soir, là, hier, on a fait n'importe quoi, je vous dis. Vas-y. Ah, 25 ans, ça va. Un quart de siècle, comme on dit. Hein. Alors, attention, gars, je crois que... Ah si, on avait dit 27. Franchement, on est propre. Mais, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était censé être en première ligne qu'on a mis en deuxième. Oh la peur. C'est là le vrai problème. Mais non, c'est le premier là. 28 ans. Ah mais ça, on a dit qu'on commençait par le 28 ans, donc ouais. Je pense qu'on a eu le bon âge. 29 ans. Eh, on est bon là. Vas-y, à toi. 27 ans. C'était qui était censé être en première ligne. En vrai, on est pas mal là. À toi. 32 ans. Oh, c'est à peu près, ce qu'on avait dit. Et bah, du coup, est-ce qu'on avait bon? Est-ce que t'as 31 ans? 36 ans. 36 ans. Quoi? T'es contente? Ensuite, c'est Carito. 34 ans ensuite, ok. On n'est pas déconnant non plus. Là, ça commence à devenir chaud, là. Je t'en prie. 33. Bah, en fait, là, on a tout faux depuis... C'est vrai qu'on a tout faux, hein, mais... Ah oui, on fait genre, on est content, mais non, on a tout faux. Et là, les gars, là, on arrive. C'est impossible qu'on ait bon. 38 ans. On t'avait dit quel âge? 35, je... J'avais annoncé l'erreur maintenant, et là, je vous dis, c'est une dinguerie, je pense qu'on est. 41. On t'avait donné quel âge? 36. Ah, là, gagné 5 ans. On t'avait rajeuni. 42. Ah bah 45, en vrai ça se suit. Ensuite à ton tour, Tatiana. Plus jeune j'imagine. Ah non, 45. Ah, on t'avait dit quel âge? Mais attends, mais les gars, on a 7 ans d'écart, c'est énorme. On est genre content, mais non. Ensuite... C'est Karine. 47. Ouais. On a dit 39 pour toi. L'écart fait que de s'agrandir. Je voyais qu'elle était contente, tu te rappelles. Ensuite, à ton tour, 57. Waouh. On a donné 40. Il y a 17 ans d'écart. Ah ouais, c'est dur là. Ah, incroyable, comme quoi la vie nous réserve des surprises. Moi je suis sûr qu'on s'est trompé fort. On avait annoncé 41. 46, ça va. Ça va. Oh, bah, j'ai gagné plein d'abonnés comme ça, c'est à Strat depuis le début. Hein. Attention. Donc 42 ans. 50. Mais du coup là-bas c'est terrible ce qu'on a fait. Là-bas c'est n'importe quoi. Et alors là je crois qu'on a fait une dinguerie parce qu'il nous a déjà annoncé lui-même. J'avais perdu un abonné. On t'a dit quel âge toi de base? 47 ans. Et là tu as... On est désolé. A ton tour, 52 ans. Okay. On t'a rajeuni. 48 ans, ok. On va discuter après. Ah, j'avais dit 52 moi. Pas de soucis. Je voulais t'abonner, du coup, tu m'abonnes plus. Hein. Ouah, je fais tellement pas ton âge. Ouah. On enchaîne sur la troisième ligne du coup. Là, alors attendez, donc. On t'avait dit quel âge? Et donc tu as. 59. Oh, mais tu vas être content aussi. Donc là, toi à peu près, tu as 50 ans et tu as. 51. Ça va, ça va. 40. Mais on a été plutôt bon alors. Là, je crois que j'avais dit 53, tu vois. Vous avez 55. Ah. Bah, c'est proche de l'âge de ma mère, du coup, je commence à avoir plus de repères là, c'est pour ça. 56 ans, ça va. Oui, ça se suit. Bon, attention, Fred, c'était un grand débat. Hein. Et c'est bien, on était bon. Ensuite, 60 ans, et on t'avait donné combien? On est gentil avec tout le monde. Sauf avec. Oui, je sens qu'on est. 55. Oh. Mais on est trop genre. Hey, venez dans nos vidéos, ça va être flatté en fait et qu'on vous rajeunisse tous. C'était dans l'œil, il m'avait trompé. 58 ans. Dans le doute, on était à 58 aussi. J'avais dit proche de. Ça passait la retraite, je crois. J'avais dit donc a priori plus de 60 et quelques. 62. Oh, c'est ça. Ensuite, le suspense. 73 ans. Non, ah ouais. On s'est trompé de 10 ans facile. Mais ça veut dire qu'elle était dans la fin. Ah, c'est à dire qu'on a fait, des erreurs. Ah oui, bah je te trompe même depuis le début, hein. Retourne-toi un peu partout. Hein. 61. 61, ok, on était pas mal en vrai. On a quand même, on a versé les deux au final. Ouais. Alors 25 ans ou pas? 64 ans. Ah oui, j'ai pris un coup de vieux. 64 ans ensuite, madame. Mais 75. Est-ce qu'on a au moins la bonne dernière personne? On a dit 75. 75 ans, ok. Au moins on finit bien, ça va. Alors la preuve, à chaque fois, ils ont compté quand c'était pas le bon ordre. Donc c'était pas forcément, même si on n'a pas donné le bon âge, juste quand c'était pas le bon ordre et on a fait 19 fautes sur 50. Ça va en vrai? Ça va en vrai. Et ben je pensais qu'on avait fait plus en vrai. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez une suite. N'hésitez pas à revenir aussi, comme ça on redevine. Voilà. Comme ça on fait un 100 fautes. Moi j'ai kiffé, vous avez kiffé faire ça? J'ai kiffé, merci à tous, merci beaucoup d'être venus. Ah ouais, alors déjà, merci à tous, toutes les personnes qui sont venues, vraiment. C'était tous incroyables, donc franchement ça fait trop plaisir. Merci à Laïa, merci Darko. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Avec plaisir, la chaîne en description, bien sûr. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Let's go. Bravo à tous.